Peggy 16. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Donc rappelez-vous, en fait ici j'avais un petit peu chuté, mais je viens de comprendre un peu qu'est-ce qu'il fallait faire. Vous allez voir, c'est tout, c'est un peu bête, hein. Faut que je descende d'un niveau. C'est pour ça que j'ai pas réussi. Là après je dois chuter de l'autre côté je pense. Oh putain, mais c'est pas vrai. Des fois la caméra franchement elle est sympa, mais l'orientation elle est horrible. Voilà, tu repasses par là. Et tu t'amuses à monter un peu partout maintenant. Tu repasses ici. Voilà, pour moi ça m'a l'air un peu logique hein, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc là je descends, plutôt j'essaie de tourner. Oh, commence pas à me faire flipper. Hein. Et voilà. Vive la peur bleue quoi qui m'a lancé le truc. Hein. Donc ouais c'était assez, assez chiant, mais fallait trouver le truc, la solution. Parce que dès que tu tombes, t'es obligé de refaire tout le tour. Donc là on est bien arrivé. Oh c'est magnifique hein. Ça devait être à Drake. Qu'est-ce que tu cherchais ici hein? Tiens tiens, ça me dit quelque chose. Mais... les navires sont toujours là? Elena? Eh, hey, par ici. Regarde! Je veux pas toucher ma copine. D'accord. Il m'a complètement eu, quoi. Je sais que je ne suis pas un grand chasseur de trésors comme toi, mais je doute que tu trouves Eldorado par ici. Comment tu t'es fourré dans ce pétrin? En essayant de te sauver, pour tout te dire. Oh, comme c'est mignon. Des briques traditionnelles de grès et de stuc. Du mortier friable. Hé, hey, tu peux me dire comment tu sais tout ça? Mon émission, épisode 4, architecte du nouveau monde. Ouais, il suffira d'un rien pour arracher ces barreaux. Quoi? Non, attends, t'es sûr? Bouge-toi de là, pauvre crétin! Ouvre-moi cette porte, tête de l'œuf! Oh, merde. Eh, Drake. Eh, Diracha. J'aurais dû m'en douter. Un document fascinant, hein? On dirait que Sir Francis était dans la même branche que moi. Te jette pas de fleurs, Eddie. Alors comme ça, on est toujours ennemis, hein? Je vais te dire, mène-moi jusqu'alors... et je te laisserai peut-être en vie. C'est tout. C'est ça, le deal. Mourir maintenant, ou t'aider et mourir plus tard. Pas facile comme choix, mais tu sais quoi? Je préfère mourir. Tu vas la fermer! Écoute-moi bien, Astico. On m'a promis un trésor sur ce satané rocher. Et maintenant, mes hommes sont en train de crever. Ils peuvent même pas sortir pour pisser sans un quart d'armée. Et je peux absolument rien y faire! Je suis en train de te faire une offre correcte. Tu m'aides à trouver le trésor, et le dernier homme en vie récupère l'or. Et la fille, bien sûr. La fille? Oh, Eddie, la fille est déjà loin. Elle a sûrement quitté l'île maintenant, pour chercher de l'aide. Espèce de gros menteur! T'as jamais été très bon au poker? Je vais la trouver. Crois-moi. C'est sûrement pas une fille qui va m'impressionner. Alors, tu viens? Merci. Hé hey oh, merde alors. Bon, bon boulot. Merci. Hé, hey, allez, ouvre-moi ça. Accroche-toi. On se marie, les gars. Faut les suivre. Elle est sympa comme fille, hein. Est-ce que tu sais où tu vas? Non. Ah ouais, mais ça déchire, ça. Hop là, salut toi, tu vas mourir.
Franchement, c'est bien fait. Hein. Ah, m'arrête, en plus, c'est illimité, c'est ça qui est bien, quoi. C'est quoi ce pilote? C'est quoi ce pilote? Ah mais ça me fait super marrer en fait le pilotage, comment il est marrant. Ah, il y a deux bagnoles qui arrivent, attention. Putain, à l'époque c'était aussi simple que ça. J'aime bien franchement. Mais j'attends qu'ils viennent sur moi là. Ils arrivent par les côtés. Ah, maintenant ils m'ont complètement mis le côté quoi. Ah, c'est beaucoup plus dur à maîtriser. Hein. Allez, vas-y, viens. J'aime bien moi la vue arrière comme ça, c'est beaucoup plus facile. Hein. C'est abusé, franchement, c'est un jeu d'enfant, quoi. Là, c'est trop kiffant, quoi. Allez, viens, mon petit. Elle a quoi, la falaise? Allez, venez encore. Non, c'est à l'avant quoi, attention. D'accord. Eh, franchement, lance-grenade, heureusement qu'il est vraiment illimité. Hein. Ils sont derrière nous. J'ai même pas besoin d'utiliser lance-grenade en fait, finalement. C'est juste de tirer légèrement dedans, regardez. Ah, pour une fois, j'ai pas tué la moto. Elle est... Ah, ça y est. Pour une fois. Il est pas mal ce chapitre-là. Bah voilà, chef. Fallait demander aussitôt. Oui, là ça commence à se rapprocher un peu. Bah voilà. N'importe quoi. On a réussi. J'y crois pas, ça a marché. Alors, c'était qui ce type? C'est juste un ancien... Ah, fais gaffe! Oh non! Accroche-toi! Ok. Attrape ma main. Ok? Ok. Ça va? Ouais, ça va. Mais dis donc, tu saignes? Ça fait couleur locale. Allez, on se tire d'ici. Vous nous quittez? Eh, hey, Eddie! Vous pensiez tout de même pas pouvoir m'échapper? Pas à moi! Oh non! On allait juste faire une petite balade digestive. La ferme! Je sais que vous travaillez aussi pour eux. Hein? Vous pensiez me la faire à l'envers et vous partager le butin, hein? C'est ça? Bonsoir! Ce type est givré! Eddie! On se calme, mec! On dirait que la chance tourne! Vous êtes piégé. Maintenant, donnez-moi cette carte. Accroche-toi. D'accord. Je m'incline, t'as gagné. Hé, hey, pas un geste. Relax, Eddie. Je prends juste la carte comme tu me l'as demandé. J'ai dit accroche-toi. Je le suis.
Ou alors, tu me la donnes? Bah, tu viens de me dire de pas bouger. On dirait que tu vas devoir venir la chercher. Ah, Carmo! Allez, allez! Eh ben voilà. On va s'enfuir un petit peu d'ici maintenant. Oh bon sang! Têtu ces mecs! Un peu trop têtu, j'avoue. Attends, lui il est un peu trop sur moi maintenant. Ah, mais là je vise bien quand même la tête, non? Ils exagèrent des fois. Hein. Je vais ramasser un peu les trucs. Ah voilà, l'arme la plus puissante c'est celle-là. Non mais sérieux, c'est un con, il a fait exprès. Ah, il m'a fait kiffer quand même. Hein. Ah, je l'ai pas vu. Il y en a pas encore un autre quelque part? AK-47, bien évidemment. Là, il y a encore l'AK-47. Allez, ouvrons maintenant le petit portail. Ça, j'aime bien. Oh, un petit tour de jet ski. C'était une grosse erreur. Sans blague. Tu sais, j'aurais dû tourner avant le pont. C'est très marrant. Oh, viens une minute. Faut que tu vois ça. Ce truc marche encore? Regarde ça. Ok. Tu vois ce bâtiment sur le port? C'est là que les bateaux arrivant dans la colonie déchargeaient leurs marchandises. Donc si le trésor d'Eldorado était arrivé sur cette île, eh ben il aurait dû transiter par là. Attends une minute, c'était quoi? Quoi? Rembobine. Ouais. Attends, stop. Juste là. C'est notre billet de retour, allez. Notre billet de retour? Tu laisses tomber? Tu n'as peut-être pas remarqué, mais on n'est que deux. Pff, on se débrouille bien jusque là. J'y crois pas. Elena, je veux pas avoir ton corps criblé de balles sur la conscience, on y va. Oh, arrête ça, tu veux? Pars de ton côté si ça te chante, mais te sers pas de moi comme excuse. Bien. C'est moi, ok? Je laisse tomber. Alors, tu viens ou pas? Alors, c'est tout. Tu vas faire une croix sur le trésor et tout oublier sur Drake. Elena, ça vaut pas le coup de risquer nos vies. Ok. Ok. Écoute, de toute façon, il faut qu'on retourne au port. T'inquiète pas pour ça. On pourra en débattre plus tard. Ça va être cool! Attends! Cette fois, je conduis. Ok. Attention, cette fois, c'est monsieur qui conduit. Et voilà. Je comprends pas. Comment une colonie entière a pu être rayée de la carte? On dirait qu'on a de la compagnie! Vise le baril! J'essaie de pas trop aller trop vite, hein. J'ai peur de tout faire exploser. Hein. Va falloir que tu nous couvres. Ouais, ça risque d'être chaud là. Ok, en fait, faut pas que j'aille sur les barils. En tout cas, on s'est bien baigné, quoi. Vas-y, c'est parti. En fait, je veux qu'on évite cette zone. Pas de problème. Mais en fait, elle sert à quoi cette fille, sérieusement? Non, c'est pas pour être méchant, mais elle sert à quoi? Si elle me couvre pas, en fait. Attends, je sais pas si je peux tirer. Non, je peux pas. Oh mon Dieu. Non, en fait, faut que j'attende. En fait, il faut que je sois un peu... Ah, d'accord. Je peux... Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça marche. J'ai les deux façons de jouer. Ok. Regardez. Vous voyez? Ça, c'est l'avantage, en fait. Faut aller tout doucement. Ok, bah ça va. C'est plus facile que je pensais. Donc, on va se retrouver pour la suite dans le prochain épisode. Ok? Je vous dis à tout à l'heure. Ça va être jouable.